Un but à zéro, c'est le score qui a sanctionné le match d'ouverture de la Coupe d'Afrique des Nations Féminines 2022 opposant la sélection marocaine de football féminin au Burkina Faso. Le royaume chérifien, hôte de la compétition, s'est défait de son adversaire du 2 juillet 2022 sur une réalisation de l'attaquante et capitaine Ghislaine Chebak à la 29e minute. On sait que les premiers matchs des compétitions officielles sont très difficiles à démarrer et ils sont souvent entourés de pression et d'appréhension. Avec cette victoire, les Lions de l'Atlas se sont libérés d'un poids et peuvent entamer la suite de la compétition avec un certain capital confiance. Les Burkinabés, perdantes de leur premier match de la campagne marocaine, participent pour la première fois à une phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations Féminines. Malgré leur manque d'expérience, les joueuses du Burkina Faso ont brillé par leur agressivité. Ce qui serait souhaitable pour elles, c'est de garder leur identité de jeu, de jouer leur jeu à fond et de jouer sur leur qualité propre. Les équipes féminines du Maroc et du Burkina Faso se sont rencontrées pour la première fois en match officiel. Les matchs de la poule A se sont poursuivis le 3 juillet 2022, suivis de ceux de la poule B et C qui vont clore la première journée des phases de groupe le 4 juillet.